sur notre plateforme de Charis Vitrine pour Christ. Et ce midi, je suis dans la joie d'être comptée parmi vous, dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos bureaux. En tout cas, partout où vous êtes, je vous salue au nom de mon Seigneur Jésus, le Dieu de l'amour, le Dieu de la grâce, le Dieu que ce mois, ça a été vraiment un mois bénéfique. Nous avons vraiment, au travers de la parole de Dieu, vraiment regardé comment est-ce que Dieu nous a tant aimés, comment est-ce que nous pouvons aussi aimer les autres. Comment est-ce qu'en tout cas nous pouvons en tout cas être des enfants d'amour de Dieu pour être des bénédictions. Alors ce midi, je pense que ça sera vraiment un temps merveilleux de passer au travers des Écritures. Et évidemment, nous allons encore parler de l'amour. C'est un sujet vaste, mais j'apprécie beaucoup ce sujet parce que sans l'amour, nous ne pouvons rien. Parce que même la Bible dit de faire des choses comme lui. Alors exactement comme nous voulons faire comme lui, c'est vraiment cette parole est basée sur l'amour du Christ manifesté sur la croix de Golgotha, sur l'œuvre rédemptrice de la croix pour que nous nous soyons sauvés. Et c'est par cet amour aussi nous voulons manifester au travers de nos vies régulières, de nos temps que nous passons ensemble avec les amis, avec la famille, avec les collègues. Nous devons vraiment manifester cet amour. Alors ce midi, vraiment ma joie est grande de vous retrouver encore parce que je sais que vous êtes toujours fidèles et la fidélité, je l'ai toujours dit, ça paye. Alors notre façon de faire le travail ensemble, c'est de partager, c'est de biper quelqu'un pour dire que Charis est en ligne. Ne rate pas, viens passer un quart d'heure, une bonne trentaine de minutes avec Charis. Certainement, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré dans cette émission. Et l'amour de Dieu déborde dans ce lieu, la grâce de Dieu déborde dans ce lieu parce que je sais qu'avec ce que je vous transmets par la grâce de Dieu, cela vous fera beaucoup de bien, énormément. Et je sais qu'en m'écoutant, votre corps ne sera plus jamais pareil dans le sens où si vous ne vous sentez pas bien en écoutant la parole de Dieu, cela peut vous libérer. Le Seigneur veut vous libérer parce qu'il dit il envoya sa parole et sa parole guérit. Et moi, je crois que la parole précède toujours quelque chose de bon. La délivrance, la guérison, tout ce que ça peut suivre pour que ton corps, ta vie, ton âme soient restaurés au nom puissant de Jésus. Alors partagez, mettez-moi des j'aime aussi, mettez-moi des cœurs parce que j'aime ça, j'aime l'amour de Dieu et j'aime aussi manifester mon amour envers les autres. Voilà, donc je suis Suzy Andelo, Fest Grace et derrière ma caméra ou mes caméras, il y a toute une équipe derrière qui sont dévouées pour vous transmettre aussi bien que c'est ma bouche qui parle, mais un grand travail qui s'est fait derrière les caméras. Voilà. En tout cas, nous sommes là et je sais que la grâce est débordante en ces lieux et elle est complète parce que je ne crois pas que Dieu fait à moitié. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il le fait. Quand il le commence, il amène ça jusqu'à la fin. Peu importe les turbulences, si tu crois, c'est que tu crois que ton Dieu est le soutien de ta vie, certainement, il ne va pas te lâcher et tu vas aller jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc voilà. Alors, comme nous parlons de l'amour, et je sais que dans ce monde, lorsqu'on écarte la notion de l'amour, nous éloignons aussi de la volonté de Dieu. Les gens se disent dans ce monde, oh, on a l'amour, on a l'amour, mais je ne veux pas offenser qui que ce soit parce que nos bien-aimés que nous aimons beaucoup, que nous voulons qu'ils viennent vers Christ, ils se disent qu'ils ont l'amour, mais il y a une façon de manifester cet amour. Mais nous devons nous baser sur la parole de Dieu. L'amour du maître ne se contredit pas. Quand il dit dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donner, c'est l'amour. L'amour vient avec les données. Quand tu parles à quelqu'un, je t'aime, mais il faut que tu te manifestes aussi quelque part à vouloir donner aussi de cet amour, à manifester l'amour avec des actes. Ça, là, ça vient avec. Et quand nous agissons à la contre de l'amour, nous transgressions aussi, entre guillemets, la volonté du Seigneur. Vous comprenez? Donc, ce midi, je vais aller vraiment dans le vif du sujet et j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment plonger nos regards sur cette parole aussi. Et j'aurai quelques versets à vous donner. Donc, le premier verset, j'irai dans Jean 13, 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vous donne un commandement nouveau.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez les uns et les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ce qui m'attire ici, il y a un si conditionnel. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, cela va nous qualifier, nous distinguer de l'amour mondain et de l'amour de Christ. Donc, nous avons besoin de cet amour-là, de l'amour de Dieu, le véritable amour que Dieu a manifesté à la croix. Parce que s'il dit, je vous donne un commandement nouveau, moi-même, je me posais des questions, un commandement nouveau. Donc, il y en avait un autre pour qu'on nous donne un autre commandement. Mais le commandement qui était avant, peut-être c'était dans la Sainte Alliance. Et la Sainte Alliance, je pense que c'était beaucoup par les sacrifices, par l'expiation et la loi, tout cela était ensemble. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, par sa mort et sa résurrection, donc une rédemption parfaite et que Dieu, et que Jésus-Christ plutôt, a fait l'œuvre de la croix en mourant, en donnant sa vie. Et c'est là que nous voyons qu'il dit qu'il nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Donc la parole de Dieu nous présente une nouvelle création régie de la nouvelle loi de Jésus-Christ basée sur l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Et cette œuvre-là, elle est parfaite parce qu'elle est basée sur l'amour. Sans l'amour, Jésus-Christ ne pouvait même pas penser aller à la croix. Et Jésus-Christ nous a, Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son fils. Et en envoyant son fils, il fallait que aussi les fils disent oui. Parce qu'il n'avait pas dit oui. Bien-aimé, peut-être toi et moi, on ne serait pas là. Peut-être les gens pensent, on parle aux chrétiens, mais j'aimerais vraiment élargir mon champ. Je ne parle pas qu'on est de nouveau, mais je parle à toute personne qui ne connaît pas le Seigneur. Il y a le véritable amour que Dieu a donné. Le monde a sa façon d'aimer, mais nous devons être vraiment dans la volonté de Dieu, dans la parole parfaite de l'Éternel qui dit « Aimez-vous les uns et les autres ». Donc Jésus-Christ est en train d'établir l'alliance de la nouvelle création. Il s'agit vraiment de la circoncision du cœur selon ce que Ézéchiel nous dit dans 36, verset 26. Nous allons parcourir ces versets-là. La Bible nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. » On parle seulement de nouvelles choses. Alléluia. « Et je mettrai en vous un esprit comment ? Nouveau. » Et j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Donc, quelque part, moi, j'associe ça. Dans la Sainte Alliance, on avait un cœur de pierre. Mais Dieu est en train de nous dire qu'il va ôter de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, ça c'est une prophétie, je dirais, de la nouvelle création comportant un esprit humain régénéré. Je mettrai en vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Ici, il s'agit d'un cœur égoïste. Parce que dans le cœur égoïste, dans le cœur de pierre plutôt, il y a le cœur égoïste. Donc, de l'homme qui n'est pas né de nouveau. Parce qu'un homme qui est né de nouveau, il n'a plus un cœur égoïste. Il n'a pas un corps, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc voilà. Donc ce cœur-là va être ôté et Dieu va mettre un cœur de chair, donc un cœur d'amour. Et il ne veut pas que nous restions dans ce cœur égoïste où c'est l'individualisme, où c'est l'égocentrisme, où c'est moi, moi, moi. Non. Donc, Dieu veut que notre cœur soit transformé. Et il dit que je vais mettre mon esprit en vous. Donc, la nouvelle création qui aura été faite par le Saint-Esprit. Parce que changer de cœur, là, bien aimé, ça ne se fait pas par soi-même. Ça ne se fait pas automatiquement, mais au travers du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, ton cœur de pierre change en cœur de chair.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, si tel est le cas, nous devons vraiment suivre la parole de Dieu. Parce que si je vois en parallèle, je vois Ézéchiel 11, il dit presque la même chose. Donc, il dit, je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai un même cœur. Donc, cela signifie le cœur d'amour. Ce cœur d'amour-là, bien aimé, c'est très important parce que c'est de l'abondance du cœur. Et moi, je dis, c'est de l'abondance du cœur que l'amour sort. Oui, c'est de bonnes choses qui doivent sortir parce que nous avons la parole de Dieu. Mais ce cœur-là doit sortir de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Donc, cet amour-là doit venir du cœur régénéré. Si tu es né de nouveau, ce cœur-là doit projeter de l'amour de Dieu. Il ne peut pas projeter un cœur égoïste. Tout à l'heure, je disais le cœur de Pierre, ce cœur dur. Parce que Pierre, c'est comme, je vais prendre ça comme ça, un cœur Pierre, donc un cœur dur. Et quand on a un cœur dur, on n'a pas un cœur sensible. Et le cœur de chair, c'est malléable. Donc, tu vois, c'est malléable, c'est genre un peu... Bon, on peut changer ce cœur-là et puis donner de bonnes choses. Amen. Alors, je vous donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Cela veut dire un esprit... De l'esprit humain, on va aller à l'esprit spirituel. Donc, c'est que le cœur nouveau. Donc, un cœur véritable qui sera régénéré par la nature divine de notre Dieu. J'ôterai de leur corps. Vous voyez, hein, Ézéchiel 36 nous a donné presque les mêmes paroles et 11 aussi a repris aussi les mêmes paroles. Ok? J'ôterai de leur corps les cœurs de pierre et je leur donnerai quoi? Je leur donnerai un cœur de chair. Donc c'est l'homme de la nouvelle alliance, l'homme régénéré, l'homme transformé, l'homme qui a reçu la nature divine, l'homme qui a reçu la nouvelle naissance, voilà. Donc c'est ce cœur-là qui est régénéré, qui peut produire, qui peut projeter, qui peut donner de l'amour. On est d'accord? Alléluia! Alors, je crois que l'amour de Dieu peut faire beaucoup de choses. Je crois qu'en donnant de l'amour, la vie de quelqu'un peut changer. Il y a tellement de méchanceté sur cette terre. Galates nous dit, dans les derniers jours, nous allons voir les enfants deviendront rebelles. Ingrats, les hommes sur la terre vont devenir très méchants. Mais nous, nous ne devons pas aller dans ce sens-là. Je sais que le monde est en train d'aller vers un monde incertain. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons où est-ce que nous allons. Et c'est à nous de démontrer l'amour pour que les âmes viennent à Christ. Si cet amour n'est pas démontré, ce serait difficile. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde crie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Mais quel genre d'amour que nous voulons transmettre? Cet amour-là vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même, elle est amour. Parce que Christ est amour. Il nous a démontré à la croix, en se donnant sa vie pour toi et moi. Peut-être nous ne connaissons pas. Et c'est la même personne qui avait crucifié Jésus. Et même Jésus a dit... Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout ça, c'est la démonstration de l'amour. Et j'aimerais bien aimer, en ces jours, nous encourager à démontrer le véritable amour. Le véritable amour, c'est l'amour qui vient de la parole de Dieu. Colossiens 2, 11. Il nous dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de comment? De Christ. C'est pour ça que j'ai dit, l'amour que nous devons manifester, c'est l'amour du cœur qui a été circoncis par la parole de Dieu, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà. Les Juifs ont accédé à la Sainte Alliance par une circoncision physique.
Mais nous, nous entrons dans la nouvelle alliance par la circoncision de la nouvelle naissance. Voilà. Par la nouvelle naissance. Cette circoncision, nous, c'est spirituel. Donc, sous l'ancienne alliance, les gens étaient comme des serviteurs, mais la nouvelle alliance fait de nous des fils de Dieu. Vous allez dire, ah, mais on nous appelle servantes, serviteurs. Oui, bien sûr, c'est le langage qu'on appelle. Mais dans l'ancienne alliance, c'était autre. Mais nous, nous sommes des fils de Dieu. Parce que nous avons accepté la circoncision spirituelle, non la circoncision physique. Parce que nous sommes nés plutôt de la nouvelle alliance. J'essaie d'être simple, de me faire comprendre pour ne pas utiliser les mots un peu compliqués. Mais nous parlons de l'amour de Dieu qui consiste à la parole de Dieu, qui consiste à ceux-là qui acceptent le Seigneur et qui sont nés de nouveau et que leur cœur est transformé de cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Donc, cette circoncision n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Et cela nous amène à croire que le corps physique sera dominé par le corps, par l'esprit humain régénéré. Parce que le corps physique, ou le cœur physique si vous voulez, c'est un cœur dur. Mais quand nous sommes nés de nouveau, nous avons un cœur de Dieu. Un cœur qui est né de l'esprit de Dieu, de la divinité qui est venue s'asseoir dans notre esprit. Donc cet homme-là sera créé par l'esprit, mais lorsque la chute est arrivée, là je parle de l'ancienne alliance, le corps physique prit l'ascendant sur l'esprit et commença à les dominer. Mais nous, nous dominons parce que nous sommes assis avec le Christ. Et Dieu nous a donné cette autorité, Jésus, si vous voulez, qui nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra nous nuire, parce que nous sommes assis à la droite du Dieu, le Père Tout-Puissant. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Moi, je crois que ma sienne vie a été détruite et j'ai la nouvelle vie. Mais la nouvelle vie, c'est avec Jésus. Pour que nous ne soyons plus des esclaves du péché, que nous soyons des enfants de Dieu, les fils de Dieu. Parce que l'ancienne Suzy est passée. La vie du péché est passée. Maintenant, nous vivons la nouvelle alliance qui est la vie de Dieu. La vie Zoé de Dieu. La raison pour laquelle les hommes n'arrivaient pas à aimer dans l'ancienne alliance, parce que leur cœur était dur, leur cœur était égoïste, dominé par la mort spirituelle. Mais maintenant, nous sommes prêts à vivre avec ces nouveaux cœurs. Je vous donnerai un commandement nouveau, de nous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et ça, ça prend la nouvelle naissance. L'homme naturel est incapable. L'homme naturel est incapable d'aimer, mais seulement la nouvelle créature, la nouvelle personne qui est née de nouveau, qui est capable d'aimer d'un amour sincère, d'un amour véritable. Et on comprend bien aussi que il est absurde de nos jours de dire qu'au monde ici-là, qui doit marcher, aux gens du monde, qui doivent marcher dans l'amour s'ils n'ont pas accepté l'amour de Dieu. Ce que je veux dire, pour que les gens du monde puissent marcher dans le véritable amour de notre Seigneur Jésus, il faut qu'ils acceptent cet amour. L'amour de Dieu est l'amour que Jésus-Christ a manifesté. C'est pour ça qu'il a dit, je vous prie, je vous demande, je vous donne un commandement de nouveau, de vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donc il y a un comme là ça fait comme une différence, comparaison, voilà. Une comparaison, moi je vous ai aimé, vous aussi vous allez aimer. Comme moi je vous ai aimé. Donc si moi je vous ai aimé, vous aussi vous devez aimer les autres
comme moi j'ai manifesté cet amour. Donc il ne peut pas faire, on ne peut pas aimer sans recevoir la nouvelle naissance. Et si cette nouvelle naissance se répandait dans la vie de tout le monde, vous allez voir que les guerres qu'il y a maintenant, il n'y en aura plus. Parce que les guerres là, c'est l'envie, c'est l'égoïsme, c'est l'individualisme, c'est que moi je veux en avoir. Mais tu ne regardes pas la personne qui est à côté de toi. L'amour, c'est de regarder qui vit à côté de toi. L'amour, c'est de regarder la personne qui est en face de toi. Ça, c'est manifester l'amour de Christ. Est-ce que cette personne est dans les besoins? Est-ce que cette personne-là a besoin d'aide? Mais toi, tu es là, manifeste ton amour par des gestes que Christ a fait. Je ne vais pas, je sais c'est quoi cet amour-là. Mais je garde ça pour la prochaine fois. Je vous donne un suspense. Jean 15, 9. La Bible me dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Donc, c'est comme on a lu dans Jean 13. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans l'amour. La Bible dit demeurez. Et le mot demeurez vient du mot grec meno, qui veut dire rester, installer. Et j'ai toujours dit ça là, bon, quand je prêche là, je suis assise là. Demeurer, ça veut dire c'est demeurer. Il ne faut pas venir déterrer, enlever et puis remettre. Non, non, ça ce n'est pas demeurer. Demeurer, quand on dit demeurer, la Bible dit c'est rester là. C'est là que vous devez rester. Demeurer dans cet amour. Parce que l'amour de Dieu doit être infiniment dans notre cœur et nous devons le manifester. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Oh my God! Vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, c'est vice-versa. Je ne sais pas comment est-ce que Jésus-Christ voyait les choses et comment est-ce que nous sommes en train de voir les choses. Parce qu'au début, quand il a dit dans Jean 13, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. » Et là maintenant, la Bible dit « Demeurez en moi. » Demeurer dans son amour, dans mon amour. Comme moi, j'ai demeuré dans cet amour selon ce que Dieu m'a demandé de faire. Vous demeurez dans mon amour. C'est pour ça que j'ai dit l'amour, c'est l'amour de Dieu. Dans mon amour. Il n'a pas dit dans l'amour de quelqu'un, dans l'amour de Suzy, dans l'amour de Fofi. Non, demeurez dans mon amour. Parce que l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu n'a pas de soupçons. 1 Corinthiens, combien? Aidez-moi. 13. Qui parle de véritable amour. Il dit, demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Donc lui, il reçoit les commandements du Père. Alléluia. Et puis, il nous transmet. Et que moi, je demeure aussi dans cet amour. Donc, lui, il a demeuré dans l'amour du Père. 1 Corinthiens 13. Lui, il demeure dans l'amour du Père. Et puis, nous, il veut que nous aussi, nous demeurons dans l'amour que le Père lui a donné. Vous comprenez? Donc, comme on dit de l'amour, donc l'amour est patiente. L'amour rend service. L'amour n'est pas jaloux, l'amour ne se vante point, l'amour n'est point envieux, parce que j'ai une autre version là qui me... On est habitué avec ça, avec Louis Segond, mais ce n'est pas grave. Alors, cet amour-là fait que nous puissions demeurer. Nous puissions demeurer dans l'amour de Christ, parce qu'il n'y a pas deux amours. Il n'y a pas l'amour de je ne sais pas de qui, mais c'est l'amour de Christ que nous devons manifester. Merci beaucoup. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Donc l'amour a tellement de merveilles. Et au verset 5, il dit que l'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche point l'intérêt de soi-même. Donc, l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Quand tu regardes la personne en face de soi, regarde qu'est-ce que tu peux faire. Donc, l'amour ne soupçonne point le mal.
Et c'est très important de se comporter de cette façon. Bien-aimés, je vous dis franchement, si vraiment nous suivons à la lettre cette parole de Dieu, je vous dis là, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de quoi que ce soit, parce que l'amour va couvrir les multitudes de péchés. Et quand cet amour couvre, je ne dis pas de tolérer, je dis de nous couvrir. La sœur Sonia avait prêché sur ça le dimanche passé, là, en deuxième culte. Elle avait bien expliqué ça, j'avais bien aimé. Ce n'est pas que tu vas aller voler, je vais te couvrir pour aller, bon, on va voler et puis on va... Non, ce n'est pas ça. Mais pour dire que les linges sales se lavent en famille. Donc, si je dois te couvrir, je dois te reprocher. Je dois te dire que ça, ce n'est pas bon. Et ça, c'est le véritable amour. Et le véritable amour dit à la personne avec amour aussi, regarde, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu vois, ça, c'est le véritable amour. Mais si la personne ne te dit pas qu'est-ce que tu fais de mal là, ce n'est pas le vrai amour. Donc, il veut ton déclin, il veut que tu meurs dans ton péché, il ne veut pas te ramener le véritable amour. Donc, l'amour aussi donne des reproches, parce que quand tu aimes quelqu'un, il fait quelque chose qui n'est pas correct, là, c'est avec amour que tu vas reprendre la personne. Et c'est cette personne-là que tu aimes, tu ne vas pas les laisser aller en désastre. Non, pas du tout. Donc, ça, c'est le véritable amour. Alors, demeurez. Donc, Jésus voulait dire que nous soyons installés, que nous devons rester, que nous devons demeurer dans l'amour. Et c'est comme ça que nous allons manifester, aller atteindre les nations avec cet amour. Donc, ce nouvel amour a créé un nouveau domaine, un nouveau royaume. Parce que si, admettons que si nous tous... Amour, amour, amour. Nous nous appelons amour, amour, amour. Tu me regardes, même avec mes faiblesses, tu es amour. J'ai l'amour, j'ai ceci, cela. Bien-aimé, il y aura un boom et le diable aura des difficultés à nous combattre parce qu'il sait que là où l'amour demeure, il y a l'unité, il y a la paix de Dieu, il y a l'unité, il y a la force. Lui, il ne vit que dans les mensonges. Lui, il vit que dans les mensonges, dans la malhonnêteté, dans l'égoïsme. Et il est là-dedans. Il se sent bien. Mais nous, nous sommes des enfants. Nous sommes des fils bien-aimés de notre Seigneur. Alors, 1 Jean 4, 16. Qu'est-ce que ça nous dit? Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, voilà. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour, je parlais de demeurer, de rester, de s'installer. Ça veut dire que nous demeurons dans l'amour. Et le véritable amour, c'est l'amour de Dieu, parce que Dieu lui-même est amour. Alors, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Oh mon Dieu, c'est fort ça. Je vais aller doucement avec ces versets-là. Je ne vais pas passer à côté, ça me parle moi-même. Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc si tu demeures dans l'amour de Dieu, Dieu demeure en toi tel qu'il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Oh mon Dieu, comme, il y a les comme là, j'aime bien. Donc, tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Donc, nous devons manifester cet amour. Parce que nous sommes les fils de Dieu, parce que nous avons reçu la nouvelle naissance. Et c'est à cela plutôt, que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ça va encore plus loin. Cet amour va nous donner de l'assurance au jour du jugement. Des fois, moi-même, je lis les versets, je m'arrête quelque part. Mais là, ça vient de me parler. Afin que, parce que tel est
tels nous sommes aussi dans ce monde, c'est à cela que l'amour est parfait en nous. L'amour doit être parfait en nous parce que nous devons demeurer dans l'amour de Dieu, tel qu'il est, tel que nous devons être. Enfin, donc, si nous accomplissons toutes ces choses-là, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement, bien-aimé, c'est cet amour-là qui va prévaloir. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Si seulement on savait ce que signifie cette réalité de vivre dans l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de tous les jours. Pas aujourd'hui j'ai l'amour, demain je n'ai pas l'amour, le lendemain j'aurai à moitié, l'autre lendemain j'aurai, je ne sais pas, en pleine capacité. Mais la Bible nous dit à tous les jours nous devons manifester, croire à l'amour de Dieu, prendre conscience de mener une vie d'amour, agir comme des citoyens du ciel avec de l'amour ou de l'amour, je ne sais pas trop, prendre notre place dans le royaume de Dieu en tant que fils de l'amour. Aïe, 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 aïe. Les fils de l'amour, parce que Dieu est amour, nous devons manifester cet amour pour que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur puissent vivre cet amour, puissent expérimenter cet amour. Et moi, je crois, cet amour-là, comme nous avons cru en Dieu, nous devons manifester afin que ceux qui ne le connaissent pas viennent au Seigneur aussi. Moi, je suis persuadée qu'on devait impérativement apprendre le même langage, à vivre la même façon de vivre que Christ nous a démontré sur la terre. Le dernier mot, le mot protocolaire, je dirais, c'est l'amour. Donc, juste pour vous faire la différence, le monde est en train de dire que l'amour est plus fort que la mort. Non. Ça, c'est le monde. Et ils comprennent ça de leur façon parce qu'ils savent que l'amour est plus fort que la mort. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Dans Cantique des Cantiques 8, 6, la Bible dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort. » Comme la mort. Regarde la différence. Là-bas, c'est plus que la mort. Mais ici, la Bible dit l'amour est fort comme la mort. Il y a une grosse différence. Il y a une grande différence, si vous voulez. Donc, si la Bible nous dit l'amour est fort comme la mort, et le monde est en train de changer les choses pour dire que l'amour est plus que la mort, non, non, non. Nous devons suivre ce que la Bible est en train de nous dire. Donc, pour vous dire que l'amour est fort comme la mort, donc nous devons considérer cela. C'est vraiment ce que nous devons manifester. Parce que si la mort nous fait mal, de la même manière que l'amour aussi, des fois, ça doit nous empresser pour aller faire les choses pour Dieu. En tout cas, juste pour dire que demeurons dans l'amour. Demeurons dans l'amour comme notre Père, comme notre Papa. Si Dieu, Jésus, a demeuré dans l'amour parce que son Père l'avait envoyé d'accomplir l'œuvre de la croix. Et il a accompli jusqu'à la fin, bien que c'était difficile, mais il a amené jusqu'à la fin pour que nous aussi, nous ayons cet amour. Peu importe qui n'est pas aimable, qui est aimable, je ne sais pas comment, mais nous devons manifester cet amour. Et au jour du jugement, nous aurons l'assurance. Amen. Que Dieu nous bénisse pour cette parole. Je sais que ça touchait peut-être quelqu'un, ça parlait à quelqu'un. Je sais, peut-être tu me diras, ah pasteur, ce que mon mari m'a fait, ce que ma soeur m'a fait, ce qu'on m'a fait. Et des fois, je comprends. Surtout, il y a des choses que l'autre fois, pasteur Nelson disait, ces personnes-là, pour prier pour eux, là, c'est difficile. Mais si Dieu a dit, tout est possible. Ce n'est pas seulement tout est possible pour croire, pour être guéri, mais tout est possible de l'amour de Dieu pour le pardon. Le pardon est possible. C'est à toi. C'est un choix. Si tu fais un choix de pardonner, tu vas pardonner. Parce que c'est l'amour qui va te pousser à pardonner. Sans l'amour, tu ne peux pas pardonner. Ça, c'est sûr. Alors, que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur me fasse grâce à pardonner à nos ennemis, à tout ce qui nous ont fait du mal, pour qu'il n'y ait pas de barrières quand nous prions, qu'il n'y ait pas d'ombrage et que nos prières puissent atteindre le ciel et que nous soyons exaucés. Parce que sans l'amour, c'est un blocage, c'est un blocage. Donc Dieu est amour, nous devons manifester cet amour. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous fasse du bien au travers de cette parole. Moi, je crois que cela m'a fait du bien et je prie aussi que cela te fasse du bien. Que ton cœur se libère. Toi qui ne connais pas le Seigneur, ouvre ton cœur. Enlève ce cœur de pierre pour que le cœur de chair puisse prendre la place. Cœur de chair, c'est la nouvelle naissance. Et quand Jésus-Christ vient en toi, tu es né de nouveau. Ton esprit est régénéré. Je prie que le Seigneur te fasse grâce à accepter cet amour, l'amour de Dieu qui fait la différence entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent tout au long de ce mois de Suzy Ndelo avec toute mon équipe. Merci.